Bonjour à tous, donc nous allons prier sur ce livret. C'est Le Rosaire et les Malades. C'est l'abbaye de Chambaran qui édite ces petits livrets. Il y en a, je crois, une quarantaine. Donc je vous ai mis le lien si vous voulez vous les procurer. Et donc là, nous allons prier un rosaire sur les thèmes des malades. Nous allons prier donc un rosaire à quatre mystères. Et donc nous allons commencer par les mystères joyeux. Donc Seigneur, nous prions dans ta divine volonté. Immerge-nous dans ta divine volonté. Multiplie les grâces à l'infini. Nous unissons avec tous les saints, tous les anges, toutes les âmes du purgatoire pour recevoir des grâces de paix et de joie, de protection, de bénédiction, de sanctification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, ainsi soit-il. Donc nous prions pour le pape, notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Seigneur, augmente la foi en nous. Accorde ce beau cadeau de la foi à toutes les âmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, augmente en nous l'espérance. Donne-nous une ferme espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, accorde-nous une grande charité, une immense charité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Premier mystère, l'Annonciation. Qu'il m'advienne selon ta parole. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l'incline vers la terre, Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cet instant, Marie découvre Dieu à la lumière de ce regard unique qu'il porte sur elle et qui la remplit d'une joie inexprimable. Pouvait-elle être aimée à ce point? Jamais elle n'aurait imaginé être elle-même la joie de son Dieu comme la fiancée et la joie de son fiancé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ange apporte à Marie une nouvelle. Heureuse, douloureuse, les deux. Heureuse à première vue, mais douloureuse dans ses conséquences.
Tout ce qui nous arrive est pour nous une annonciation. Cette vue de foi a de quoi transformer la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans un premier temps, ne dis rien. Laisse travailler en toi cette parole reçue en pays de souffrance. Qu'elle t'habite dans le secret. S'il s'agit vraiment d'une parole d'évangile, petit à petit, doucement, avec pudeur, comme par mégarde, et peut-être même malgré toi, tu la mettras au monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'appelle pas Dieu à voix haute, sa source est en toi. Et si tu n'obstrues pas le passage, rien n'en suspend la coulée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je savais bien que ce n'était pas moi qui étais à l'œuvre dans ce travail de grâce depuis des mois, mais j'étais devenu un passage privilégié de cette grâce. Arrêter ce fleuve me paraissait impossible, intolérable, pire, irresponsable. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aider un malade, aider ceux qu'il aime, c'est contribuer à cette lente aurore de l'être et de la paix, à cette lente victoire de la lumière sur les profondeurs de la nuit, de la souffrance et du désespoir. C'est assister, ébloui, à la victoire laborieuse du consentement intime de l'être sur la révolte et le refus. C'est contempler cette progressive émergence du oui, oui serein et doux donné à la condition humaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu descend sur la terre et le nom qu'il prend est celui de Sauveur. Ce seul nom nous dit d'espérer. Que ne peut pas pour notre salut le Seigneur, puisqu'il s'incarne expressément pour nous sauver. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sachez qu'il a apporté toute nouveauté, en apportant sa propre personne annoncée par avance, car ce qui est annoncé par avance, c'était précisément que la nouveauté viendrait renouveler et revivifier l'homme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, j'attends de toi le salut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Second mystère, la visitation. Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. » Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l'Alliance, l'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors Marie chanta son chant, le chant de la bonne nouvelle, le chant de tous ceux qui croient en l'amour de Dieu et au Dieu d'amour, le chant des pauvres et des humbles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie crut à l'amour du Dieu Tout-Puissant pour elle, et son cœur frémit de joie. C'est ce bonheur qu'elle chante dans son Magnificat,
le grand bonheur de se savoir ainsi aimé, enveloppé dans ce regard merveilleux, totalement inattendu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La maladie fait de nous un étranger à nous-mêmes. Seul le silence au plus profond de notre être nous ouvre à la source de vie, traversée étonnante où le Seigneur est là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand on t'approche, plusieurs me l'ont dit, des femmes surtout, on se sent appelé à la fécondité. Comme dans la parabole du semeur, tes graines tombent dans la terre généreuse de tes visiteurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je surprends moi-même quelqu'un que je ne connaissais pas, comme si la maladie engendrait un homme nouveau, et maintenant la solitude ne m'effraie plus comme avant. Il m'arrive de la rechercher pour retrouver ce royaume secret que j'ai entrevu durant ces mois d'hôpital. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La maladie est cette solitude où le Seigneur parle au cœur et non à l'oreille de ses bien-aimés. S'adressant au cœur, ces entretiens ne sont pas de ceux qui se comprennent à la manière humaine, ils sont sentis plutôt qu'entendus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu reçois. Ton corps blessé est comme un tabernacle, la sainte réserve de toutes les blessures qui te sont confiées et que tu partages en communion d'humanité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous ne voulons pas laisser derrière nous les journées qui nous ont été pénibles, qui nous ont tourmentés et angoissés, qui nous ont laissé des restes d'amertume, sans confesser à leur sujet aussi. Il a bien fait toutes choses. Maintenant, tout le passé est compris dans la seule joie de ce qu'il a bien fait toutes choses. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Depuis que je suis malade et obligé de garder la chambre, nombreux sont mes visiteurs qui m'apportent des fleurs. Ils expriment ainsi de très belle façon leur amitié. Les fleurs sont si éclatantes et si éphémères à la fois. Je les considère maintenant comme des compagnes qui osent me parler généreusement de la vie, timidement de la mort. En un mot, leur présence est grâce. Toi qui me sauves, visite-moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Troisième mystère, la nativité. Et le Verbe s'est fait chair. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Un grand éclair embrase les collines, une musique d'ange au bord du ciel, un vent de paradis, et les bergers tirés de leur sommeil contemplent éblouis ce qui était caché dès l'origine, le sourire de Dieu dans les yeux d'un enfant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà ce que les anges, mon enfant, ne connaissent pas. Je veux dire, voilà ce qu'ils n'ont pas éprouvé. Ce que c'est que d'avoir ce corps, d'avoir cette liaison avec ce corps, d'être ce corps.
d'avoir cette liaison avec la terre, avec cette terre, d'être cette terre, le limon et la poussière, la cendre et la boue de la terre, le corps même de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors le Verbe se fait chair. Peut-être alors entendront-ils ma voix, dit Dieu, si je leur parle avec des choses toutes simples, si je leur parle dans un corps. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'humanité a désormais un visage pour Dieu, celui de ce tout petit enfant, si dépendant en tout, et librement offert pour le demeurer. Stade spirituel qui ne saurait être dépassé, celui où l'esprit peut nous murmurer sans aucune retenue, Abba, Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un mystère qui réunit en lui les contrastes, la lumière et l'obscurité de la nuit, l'infini de Dieu et les limites de l'homme, la gloire et l'abaissement, l'immortalité et la mortalité, la divinité et la pauvreté de l'homme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà le secret des mondes que révèle Noël. Même si l'homme doit mourir, la vie lui est donnée pour naître, pour naître et pour renaître. C'est la naissance qui lui est promise et non la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Verbe fait chair, bien qu'encore enfant, c'est-à-dire non parlant, par le rayonnement insaisissable et apaisant de son être, révèle pourtant déjà Dieu. Mais un Dieu si discrètement présent à toute la réalité du monde qu'il s'abandonne dans le sommeil sur les genoux de sa mère. Dieu dormant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, le plus petit et le plus humble des enfants des hommes, totalement dépendant de tout comme moi, en tout, je n'ai à t'offrir qu'un bouquet de souffrances que je dépose au pied de ta crèche. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quitter la maison, tenter de se réapproprier ce lieu si réduit dont on devient l'humble locataire. Mais le tout petit donne naissance au très grand. Une chambre d'hôpital peut engendrer l'inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À partir de demain, mieux, à partir de cet instant, tout est neuf. Je poursuis mon chemin. Demain, comme tous les jours d'ici ou d'ailleurs, sur ce versant ou sur l'autre, est désormais mon jour de naissance. Tu es mon Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Quatrième mystère, la présentation au Temple. Ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Remise aux mains du prêtre, l'enfant est consacré, c'est lui le don qui s'accomplit, l'amour qui consacre tout être.
Toute appartenance à Dieu sera traversée par une lame à double tranchant, la joie et la croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je pense tout particulièrement à cette femme, le seul geste qu'en parfait accord, elle pourra accomplir la veille de sa mort, durant la cérémonie de l'onction des malades. Ce seront ses deux mains qu'elle avancera sur ses genoux, ouvertes pour témoigner devant nous tous et devant Dieu, qu'elle lui offre sa bonne volonté, en esquissant à sa manière ce consentement impossible qu'elle souhaitait tant pouvoir lui donner. Étonnamment pauvre dans son insurmontable offrande, elle présentait ainsi sa vie, telle qu'elle était devenue, ce reste de souffle à son Dieu qu'elle ne pouvait trahir, même dans la plus irréductible résistance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour l'heure, je ne suis capable d'offrir que ma protestation contre cette souffrance déshumanisante, mon incapacité à souffrir en beauté, mon maigre désir plein de résistance d'être rendu un peu plus pauvre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici, Seigneur bien-aimé, dit Gertrude, que je t'offre mon pauvre cœur malade avec tous ses désirs de t'aimer pour que tu prennes en lui tes délices comme il te plaira. Le Seigneur lui répondit, j'accepte ton pauvre cœur offert avec tant d'amour, plus volontiers qu'un autre qui serait plein de force. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour sauver ma peau devant la détresse, je me mets debout et au lieu de subir, j'acquiesce de toute mon âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À la minute où je prendrai tout à coup conscience que je suis malade ou que je deviens vieux, donnez-moi de comprendre, mon Dieu, que c'est vous, pourvu que ma foi soit assez grande, qui écartez douloureusement les fibres de mon être pour pénétrer jusqu'au moelle de ma substance, pour m'emporter en vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce que Dieu aime à recevoir, c'est la foi, l'espérance, l'amour, l'humilité, la patience au cœur des souffrances. Voilà vraiment ce qui construit l'être humain et permet à la personne qui souffre de continuer à entrer en relation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quant à rendre grâce, offrir, accepter l'épreuve, il faut être extrêmement fort pour entendre cela. Sinon, on ne peut le rendre que comme une insulte. Pourtant, du souffrant à lui-même ou à l'autre souffrant, une parole peut être dite, même après avoir traversé la purification qu'apporte la souffrance même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici que je viens. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère, la vie cachée à Nazareth. Puis il revint à Nazareth, il leur était soumis. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins. Le tien pourtant reste caché,
L'Esprit seul nous découvre ton passage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie n'a pas échappé à ce travail d'élaboration du sens face à la surabondance de l'amour divin. Elle a dû interpréter, en communion avec Joseph et d'autres proches, les événements récents de son histoire et élaborer tout cela dans sa prière, faite sans doute d'un mélange d'action, de grâce, de supplication, de peur devant l'inconnu et d'envie de fuir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La vie s'écoule très vite. L'important, c'est de l'œuvrer sous le regard de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Plus la personne verra la surface de son champ d'action et de relation se réduire, plus elle devra creuser profond à l'intérieur d'elle-même et apprendre à regarder autrement les petites choses qui seront désormais son lot quotidien. Elle découvrira alors que la banalité est moins banale qu'il n'y paraît. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Soyez assurés qu'il n'y a pas d'état plus heureux que celui qui nous rend conforme à notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tant d'épreuves, la maladie passe l'être humain au crible. Elle le révèle à lui-même, lui offrant l'occasion de réévaluer sa vie. Elle le contraint à remanier en profondeur les valeurs sur lesquelles il s'est établi et le pousse vers d'autres priorités. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Semblable à ces vieux murs qui tiennent encore debout, je ne suis pas très solide. Un rien maintenant suffit à me jeter en terre. J'ai l'impression d'accomplir mon dernier bout de chemin. Je partirai, le cœur paisible, me confiant en la miséricorde de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque fois qu'une nouvelle médicale sévère me parvient pour de bon, ma première réaction est un moment d'en douter, je sens que je grandis, oui que je grandis, je ne peux l'exprimer autrement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'être humain est fait pour vivre humainement, tout simplement. Nous sommes issus de la terre et nous retournerons à la terre. Tant de force et de réussite, tant aussi de faiblesse, de deuil et de maladie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand la gravité frappe à la porte, on ouvre tout doucement et derrière la porte, on découvre le quelconque et on le fait entrer. On lui dit de s'asseoir et on s'aperçoit bien vite que le quelconque vient de la part de l'immense, qu'ils sont proches parents, qu'ils habitent la même rue, peut-être au même numéro. C'est quand j'étais malade que je me trouvais le mieux avec Dieu. Garde-moi, mon Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.